Coucou les filles, aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo haul Action, magasin discount, parce que j'ai eu l'occasion d'y aller pendant les vacances. Donc je voulais montrer un petit peu ce que j'ai trouvé, parce que je pense que ça peut intéresser du monde. Et un petit haul aussi, vernis, boutique colorlike.com. Donc je commence tout de suite. J'ai trouvé 5 minutes pour réussir à vous filmer un petit truc. Donc je commence maintenant. Donc chez Action, on commence par j'ai trouvé des petites roses comme ceci qui sentent très bon à mettre dans le bain. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Voilà, j'ai trouvé ça très mignon, voilà, ça peut être pas mal. Donc ces petites roses, c'est surtout pour mes enfants qui aiment bien. Donc les petits savons, ils appellent ça des savons de bain rose, je les ai payés 79 centimes. Donc voilà, pour celui-là. Ensuite j'ai trouvé pour moi et mon mari des petites boules effervescentes. Pareil pour mettre dans le bain, et là ça valait vraiment le coup parce que les trois boules, hop. Donc les trois boules comme ceci qui sont vraiment très lourdes quoi. Enfin, ça sent la pivoine, elles sont bien grosses, bien pleines apparemment. Je n'arrive pas à avoir la mise au point, ouais, enfin, bref. Tant pis, donc ces petites boules là, je les ai payées 1,99€. Donc pareil, très intéressant, ils n'avaient qu'un parfum par contre, mais bon, j'aurais su à ce prix là, j'en aurais pris plus, mais tant pis. Ensuite, je me suis pris ceci. Il a du mal aujourd'hui, lui. Voilà. Donc dedans c'est des petites épices en fait, et ça sert à faire du beurre maître d'hôtel. Alors j'en avais déjà acheté et j'avais beaucoup aimé, du coup j'en ai repris deux pots là. Donc ces petites choses là, moi je les mets quand je fais du beefsteak. Je mets mon beurre un peu plus d'ailleurs que d'habitude, et je mets un petit peu de ça, ou alors même je marine ma viande avant avec ça. Donc c'est pas mal, et sinon vous pouvez faire donc du beurre maître d'hôtel avec donc 10 grammes de ces épices plus 100 grammes de beurre, et ça vous fait du beurre maître d'hôtel. Donc j'adore ce produit là, je ne sais pas s'ils en font en grande surface, je sais que la première fois que j'en avais vu c'était donc chez Action, et j'avais trouvé ça vraiment bien, j'en avais pris et j'ai adhéré complètement. Donc comme j'ai fini mon pot d'ailleurs, c'est pour cela qu'on avait été chez Action. Ensuite, donc cette petite chose coûte, il me semble, je vais vérifier. Si je trouve, bien sûr. Mix, voilà. Alors, ouais, c'est 1,49€. Alors, je ne sais plus la contenance parce que j'ai jeté mon papier, je les ai déballés. Je ne sais plus exactement, mais bon, c'est une bonne contenance. Hein, c'est des beaux petits. Bah, c'est 90 grammes, voilà, il y a 90 grammes dedans. Ensuite, je me suis pris un brûleur de parfum qui se présente comme ceci. Donc, il se faisait en bleu, en rose. Vous allez voir, j'ai l'impression que ma... Attends, il y a plein de soleil dehors et la luminosité, j'ai pas l'impression que c'est ça, voilà. Donc, voilà. Voilà, très joli. Ils en faisaient aussi des autres avec des bouddhas. Et un autre en forme de cœur, mais j'ai préféré prendre celui-ci parce que la contenance était plus grosse. Et si vous vous rappelez, j'avais j'avais acheté un chez AliExpress et la contenance était vraiment toute petite, je pouvais vraiment mettre qu'un quart de tartelette. Tandis que dans celle-ci, je peux mettre une demi-tartelette. Donc voilà, je l'ai acheté, et en plus, j'aurais su, j'aurais même pas pris celui AliExpress parce que celui-ci m'a coûté... m'a coûté 1,49€, je crois, si mes souvenirs sont bons. Non, 1,35€. Donc si vous en cherchez un, il y a les mesures là sur le ticket, 8,5 par 10 cm. Si vous en cherchez un pas cher, ou même plusieurs, ou en rachetez un, voilà, c'est l'occasion, parce que si vous avez un Action près de chez vous, parce que franchement, ils sont très bien. Donc voilà, pour 1,35€.
Ensuite, je me suis pris, je suis tombée là-dessus et quand je les ai vus, j'ai dit je saute sur l'occasion. Je me suis pris de la marque Inecto, de la crème hydratante nourrissante à la coco, à la noix de coco, donc sans parabène, il n'y a aucun parabène là-dedans, c'est de la coco pure. Enfin, il n'y a que ça, il n'y a pas d'agent, enfin, il n'y a rien de... Tout est naturel. Donc, il marque sur le pot, cette crème riche et onctueuse, enrichie d'huile de coco pure et facilement absorbée, laisse la peau douce et profondément hydratée. Donc, c'est 250 ml et ça se présente comme ceci. Voilà. Donc, c'est un gros pot. Donc, 250 ml. On ouvre. Et voilà comment ça se présente. Pas trop penché parce que c'est un petit peu liquide quand même. Voilà. Donc, très bien. Moi, j'en mets sur mes lèvres quand j'ai lèvres gercées. En ce moment, je les ai pas mal. Pour les mains, c'est très bien aussi. Enfin, en plus, regardez sur internet parce que la noix de coco a plein de vertus. Donc, voilà. J'ai sauté sur l'occasion quand je les ai trouvées. Et donc, ce petit pot, enfin, ce petit pot de 150 ml, quand même, m'a coûté. M'a coûté. J'aurais dû souligner les petits trucs parce que en plus je vous montre pas tout. 1,69€. Je vous montre pas tout parce que j'ai pris plein de choses, mais bon, je vous montre le principal qui peut vraiment vous intéresser. Ensuite, donc du coup, bah, toujours de la même gamme, de la même marque Inecto, au pur coconut. J'ai pris la crème douche onctueuse et hydratante et toujours sans parabène. Ouais, sans parabène, donc il y a 250 ml et ça se présente comme ça. Voilà. Et ça sent, c'est une tuerie quoi. Ceux qui adorent, si vous aimez la coco, c'est franchement très bien quoi. Voilà, donc j'ai pris ça. Et donc ensuite, toujours de la même marque, je me suis pris un shampoing Inecto, donc pure coconut, toujours hydratant, sans parabène. C'est un 500 ml, il se présente comme ceci. Voilà. Donc toujours pareil, comme ça hydrate. Moi j'ai les cheveux secs, donc pour celles qui ont les cheveux secs, normalement ça peut que faire du bien. Donc il marque ce shampoing enrichi d'huile de coco pure a été spécialement formulé pour nettoyer, hydrater et revitaliser vos cheveux en douceur. Donc voilà, donc je me suis pris ça et ce petit shampoing m'a coûté une misère, c'est-à-dire, et ben je ne sais pas, je n'ai pas trouvé shampoing, voilà, shampoing 1,89€. Donc voilà, franchement, c'est superbe. J'ai oublié aussi de le prendre avec moi. J'ai pris, on a déjà vu dans certaines vidéos d'ailleurs, je crois, pour mes enfants, pour leur pour la douche, quoi. Du shampoing douche Tom et Jerry. Le flacon fait 1 litre, c'est un flacon de pompe. Et il m'a coûté 1,79€. Donc pareil, quoi, faut sauter sur l'occasion quand c'est comme ça. Voilà, donc pour Action, voilà tout ce que j'ai pris. Ensuite, on va passer à ma commande de chez Color Alike. Donc pour celles qui connaissent, enfin qui s'intéressent au vernis, ou cette marque, on commence à en entendre pas mal parler. C'est une petite marque polonaise. Mais franchement, qui vaut vraiment pas cher et qui est vraiment très bien. Alors, si vous voulez pas commander directement sur le site, vous pouvez commander sur un site français. Il me semble que c'est sur le Doux Nuage, je ne suis pas sûre. Je vous remettrai les liens dans la barre d'infos, de toute façon, comme d'habitude. Moi, j'ai commandé directement sur le site, donc colorlike.com. On peut payer par PayPal dessus. Les vernis coûtent 4€, alors que sur le Doux Nuage, sur la boutique française, ils sont à 6,50€, il me semble. Donc là, ils sont à 4€, ils font 8 ml. C'est des petites tueries, il y a des holographiques.
Il y a des jellies, il y a des crèmes, voilà, il y a vraiment voilà, plein de petits bijoux, ils sont vraiment superbes. Les frais de port sont à 6 euros, alors moi j'en ai commandé 6, donc je ne sais pas si ça augmente au fur et à mesure, mais là ils étaient à 6 euros. Donc au total j'ai commandé 6 vernis et j'en ai eu pour 30 euros. Donc franchement, voilà, ça allait. J'ai pas pu résister, j'ai vu des swatchs, j'ai craqué dessus, je les ai trouvés superbes. J'en recommanderai sûrement d'autres coloris d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et ils sont arrivés super rapidement. J'ai commandé le 24 février. Ma commande est partie le 26 février. Et je les ai reçus, que je vous raconte pas de bêtises, je les ai reçus le 2 mars. Donc franchement nickel, ça a mis en fin de compte 26 sont partis le 26, donc ils ont mis 1, 2, 3, ils ont mis 4 jours à arriver une fois qu'ils étaient postés. Donc nickel. Donc je vais vous les montrer, je vais pas perdre de temps parce que j'ai ma batterie qui arrive enfin, donc j'espère que je vais réussir à tout faire. Donc là j'ai pris le Color Like, alors par contre ils ont pas de nom, c'est dommage, holographique, alors c'est la collection, je ne sais plus, il me semble que c'est il fait partie d'une collection, je ne sais rien en fait. Je ne suis pas trop attardée, c'est vrai que j'ai craqué dessus, et franchement je les ai trouvés tellement bons que j'ai pas trop cherché. Ah oui, alors celui-là il fait partie de la collection Bright Holo. Donc il y a du vert, du rose, du bleu, du violet dans cette collection et du doré. Donc il y en a 5 au total. Donc moi j'en ai pris 2 de cette collection. Et donc il se présente comme ceci. Ouh. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc comme ceci. Et vraiment, je sais pas si vous verrez bien tous les reflets. Il est vraiment superbe et je l'ai sur les mains. Alors par contre, forcément, j'ai un stamping dessus. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Voilà. Donc moi, je le trouve très très beau. Donc c'est celui-là, c'est le 510. C'est le rose holographique. Oh, envie. Hein. J'y arriverai pas. Non. Non. Bon. Allez. Bon, bah c'est tout. On va pas rester dessus 20 ans. Donc c'est le rose de la collection Bright. Et il est donc ici. De toute façon, vous le voir sur mes doigts, mais bon. Pareil, est-ce que ça va faire la mise au point? Aujourd'hui, j'y arriverai pas. Voilà. Et puis je sais pas, au fait, quand ça fait un contre-jour. Voilà. Donc il est très joli. Ensuite, bah, je vais vous montrer toujours la même collection. Donc le violet. C'est le 531. Donc toujours de la même collection. Et lui, il se présente comme ceci. Oh, c'est en train de m'énerver là. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc pareil, toujours. Il est super joli quoi. Voilà. Je sais pas si. On va pas s'éterniser. 531. Et donc c'est celui-ci. Il est super beau. J'achète rarement de violet parce que je trouve que ça me va pas du tout sur les mains. Donc là j'ai voulu tenter. Donc voilà. Il est ici. De toute façon, vous retrouverez tout sur mon blog. Hein. Ensuite, donc j'ai pris, je vais essayer de vous montrer en même temps, enfin, de faire avec les, de vous montrer avec les collections. Alors par contre, celui-là, non, celui-là va faire aussi partie de la collection Bright, non? Attendez, hein, je regarde, 518, c'est pas ça, donc je ne sais pas. Donc, collection. Je vais essayer de vous montrer avec les autres. Donc, celui-ci, je l'ai, je crois. Oh là là. Voilà. Donc là, de la collection Dark Holographique, j'ai pris le 500.
Il est super. Alors celui-là, je crois que d'ailleurs quand je l'ai vu, de toute façon au départ c'était celui-là qu'il fallait que je commande à tout prix. Parce que j'ai vu des swatchs, il était superbe. Je vais pas réussir à vous montrer, c'est vraiment dommage quoi. Voilà, vous voyez, il y a vraiment des reflets. Il est superbe. Donc c'est un marron. Alors c'est lequel là-dessus? Par contre c'est celui-ci. Un marron mais très foncé, très foncé. Il est ici. De toute façon la caméra n'a pas envie aujourd'hui là. Franchement c'est... Ouais. Donc il est ici. Je sais pas si vous verrez bien. Je te mets à me rendre compte. Voilà. Donc celui-ci est superbe, c'est celui-ci, je crois que c'est un des plus holographiques de tous, je pense d'ailleurs. Ouais. Enfin moi je l'adore. Donc le 500, ensuite il en reste 3 à vous montrer. Donc de cette collection là, voilà, ensuite. Je sais plus du tout en fait parce que moi j'ai vraiment tapé... J'ai vraiment pas regardé les collections quoi, j'ai vraiment c'était au coup de cœur. J'ai regardé les swatchs en fait, j'en ai vu un, enfin c'était celui-là qui me plaisait le plus et quand je l'ai vu tout de suite je me suis dit bon tu commandes déjà au moins pour celui-là quoi, parce que franchement, et donc j'avais pas passé une commande et en prendre que un, donc j'en ai profité. Mais de toute façon sur j'en recommanderai parce que j'arrive pas à trouver les autres. Bon, je vais vous les faire comme ça hein. De toute façon vous regardez sur le site, vous les trouvez. Donc le, je lui ai pris un joli bleu, c'est le 495. Il est magnifique aussi. Alors magnifique, voilà. Rien à dire. Il sèche rapidement en plus. J'ai posé le rose hier. Il sèche rapidement. Nickel, l'application c'est nickel. J'ai dû vous montrer le pinceau. Voilà. Le pinceau. Là c'est vraiment pas de bol de ne pas réussir à avoir mis au point. Non, j'y arrive pas. Ensuite, donc j'ai pris un joli vert qui fait un peu doré. Voilà, moi je suis pas trop vert, j'aime pas trop le vert, mais là du coup je me suis dit tiens, ben, ce sera l'occasion parce qu'il est très joli. Il fait vert doré quoi. Il y a des reflets verts. Voilà, il est magnifique, 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 magnifique. Voilà. Et donc c'est le. Par hasard maintenant c'est décidé. Le 537. Voilà, je viens de bouger, du coup je perds. Voilà. 537. Et il est ici. Je vous ai pas montré le bleu. Le bleu est ici. Voilà. Le vert est ici. Voilà. Je me demande si j'aurais pas dû mettre ma lumière derrière hein, quand même. Et donc le dernier, c'est un peu. Il ressemble un peu à celui-ci que je viens de vous montrer. Mais en plus clair. Donc c'est le 535. Donc je vous montre. Il est comme ça, c'est un marronné. Il y a des duochromes aussi, je crois. Et des multichromes, il me semble, sur le site. C'est terrible ça. Voilà. Voilà, très joli. Franchement, pour le prix, je les trouve super quoi. Donc là, c'est le 535. Ça n'a pas envie. Voilà, le 535 et lui, il est ici. J'essaie de vous montrer comme ça. J'ai pas trop. Voilà. Voilà, donc là, vous en avez un, là il est bleu, là il y a le noir, marron, le vert, le rose, le marronné et le violet. Voilà, donc
je coupe. Me revoilà les filles, désolée, ça avait sonné, c'était le copain à mon fils. Donc voilà, donc pour terminer, je voulais vous montrer ces deux-là, donc qui se ressemblent, mais vraiment un tout petit peu, il y en a un qui est juste un peu plus clair. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc voilà, celui-là est plus foncé, celui-là est plus marronné, doré. Voilà, et donc là, il y a le 500, et là, le 535. Voilà. Donc voilà. Je vous dis, ils sont superbes, j'ai testé, je vous remontre si ça marche. Essayez de me cacher pour que ça fasse une mise au point. Aïe aïe aïe. Voilà. Donc voilà. Ils sont superbes. Ils ont des reflets. Je vous ferai les articles sur le blog, les swatchs. Je vous montrerai tout ça. Mais franchement, ils sont magnifiques. Vous pouvez foncer sans problème. Et 4 euros. Ils sont vraiment très beaux. Franchement, j'ai rien à dire. Voilà. Donc pour ce petit haul, je vous souhaite une bonne journée. Et je reviens bientôt pour une autre vidéo. Bisous les filles.